Toi, on peut te voir tout nu sur YouTube, y'a pas de problème. Mais non. Si, viens, viens, ça fait vendre. Non, j'aime pas. Viens, moi. Ça fait vendre. Je vais te... Non. Montre tes abdos. J'ai ça, attends, j'arrive. Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, lundi, Fitness Evolution. Mon objectif, rattraper Pimnous. Bon, toujours accompagné de Mehdi Bastos. Hein. Petit Instagram ici. Voilà, petit Instagram. Aujourd'hui, je vais tenter les 140 kilos répétition maximale. Chose que j'ai pas réussi à faire la semaine dernière. J'avais tenté les 150 et c'était pas passé. Il y a qui fait ma dernière vidéo. On n'est pas des ch'tronnes. C'est 4 vidéos. On n'est pas des ch'tronnes. Là, la vidéo qui sort, c'est sur une série de vidéos. Donc allez voir les précédentes avant de regarder celle-ci. Code Bastos Fit, moins 15%. Il n'existe pas encore, c'est pas vrai. Bon, on termine de s'échauffer. Et ensuite, on tente de rattraper Pimous. Et surtout de valider l'objectif. Donc. 140 kg répétition maximum, on se l'était donné il y a un mois et on va voir ce que ça donne. Hey, Wallah, il va réussir. On a 2 contre 1 pour que tu gagnes. C'est dans ma team, Mehdi. Bien sûr. Team Dijo. Hein. Surtout, n'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne. Team Dijo, c'est chaud. You keep on talking about the old days, girl, you a nuisance. I roll up stuntin' with my homies. You bitches know me. They talking to me like they friendly, but they so phony. Yeah. You can do it! Cut his fucking head off! Just do it! Hey, je sais pas ce que j'ai, mais je suis rincé aujourd'hui. Enfin, je sais pas ce que j'ai, je sais ce que j'ai. Je me suis pas entraîné de la semaine. J'ai mangé de la merde toute la semaine. Et du coup là aujourd'hui c'est trop dur. Mais je me suis dit que j'avais passé les 140 kilos et je vais tout faire pour le faire. Mais ça casse les couilles. On tente pour la dernière fois 140 kilos. Après ça y est, buzz. Merci de t'avoir crié, oui. À coup il y a crié, tu sens. Ah, il y a l'habitude de faire ça aussi. Il y a plus comme ça là. Fais ça. Quand il dit, dès que tu t'énerves, c'est bon. Non, je... C'est fini. Je crois qu'on va pas mettre de vidéo cela dit. Franchement, je suis KO. Non, ouais, tu sais quoi, tourne. En train de tourner normal là. Et. Ouais, je vais faire ça. C'est ça, toi, t'es fatigué, oui. Ah, je suis rincé, rincé. Bon, stop. Non, Pimous, il va sortir sa vidéo de toute façon. Pimous? Ouais, il va sortir sa vidéo lundi. Il la sort quand? Lundi, ouais. Ouais, donc, toi, ouais, donc ils l'auront déjà vu. Et toi, t'attends de sortir une vidéo la semaine prochaine, t'as pas deux cette semaine. Non, ce qui s'est passé, je vous explique, c'est que cette semaine j'ai travaillé, donc j'ai pas eu le temps de m'entraîner. Je mangeais dans une cantine, donc je mangeais de la merde, pas les repas que j'ai l'habitude de manger. Et là, ça se voit tout de suite, hein. Psychologiquement, je suis affaibli, je suis plus dans mes habitudes, du coup je suis perturbé. Et désolé, mais pas de 140 aujourd'hui. Je vais m'entraîner, je vais essayer de vous filmer quelques plans si j'ai assez de batterie parce que je vois que ça clignote là. Vous voyez, il y a rien de prévu là, là c'est tout dans l'impro. Tout ce que j'aime pas, du coup je vous filme ma séance. Bon, il n'y aura pas des grosses barres, mais vous aurez du gros son et du gros montage. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish on a star. Bon les gars, vous l'aurez compris, j'avais plus de batterie sur mon appareil photo. Du coup on se retrouve chez moi. Je vais faire l'outro ici. Pour vous dire simplement que la séance que vous avez vue là, c'était vraiment de la grosse merde. J'ai pas réussi à passer 140 kilos. Alors que la semaine dernière, j'étais vraiment confiant pour les 150 qui ne sont pas passés de très peu. Donc 140 c'est un échec. On a vu que la semaine dernière, Albino lui il a validé 160. Donc je suis encore très loin de lui, même si j'essaie de le rattraper là. Je me suis fixé pour objectif les 140 et les 120 x 10. Donc même si j'y arrive, il sera encore très loin. Mais vous savez, la musculation c'est un sport où il ne faut pas se comparer aux autres. Là, ce que je fais, c'est simplement pour vous montrer quelle méthode j'utilise pour progresser. Donc là, 160 kilos, je pense pas que je les ferai dès demain. Mais 140, je sais que je peux y arriver. Même si c'est pas en 2 mois, je prendrai le temps qu'il faudra. De toute façon, la musculation, c'est mon sport. J'en ferai toute ma vie. Et du coup, je suis pas prêt de m'arrêter à 4 vidéos Fitness Revolution. Là, il m'a un peu mis à l'amende Albino avec ses 160 kilos.
Mais j'abandonne pas, ce sport là je le fais pour moi, pas pour essayer de le battre. De toute façon vous le trouverez toujours meilleur que vous. Albino il a beau pousser 160 kilos, félicitations à lui, c'est franchement c'est impressionnant, c'est très fort de sa part. Sachant qu'il est naturel hein, bien sûr, en plus de ça. Donc 160 kilos il est très fort, mais il y aura toujours meilleur que lui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Il doit être très fier de lui de faire 160 kilos. Moi, je suis déjà très fier de moi d'avoir passé une barre à 130 kilos. C'était la première fois. Donc, je ne m'arrêterai pas là, bien sûr. Mais je ne vais pas être démoralisé parce que je n'arrive pas à rattraper Pimousse. Ce n'est pas mon objectif premier dans ma vie. C'est surtout ma pratique, pas la sienne. Donc, ce petit jeu m'amuse. J'espère quand même y arriver, j'espère gagner. Et si j'y arrive pas, je sais que j'aurai progressé et il est là l'essentiel. Donc fixez-vous des objectifs, trouvez-vous des rivaux, oui ça aide. Mais ne vous attardez pas là-dessus, si vous êtes moins bon que votre rival, c'est pas grave. Le principal c'est de progresser. Ce qui m'a tué aussi, c'est, je vous ai pas dit, mais enfin si, je vous l'ai dit pendant la vidéo. Ça m'a tué le fait de manger que de la merde pendant une semaine et ne pas m'avoir entraîné pendant 10 jours. En plus, j'étais en pleine phase de progression. Je commençais à me sentir à l'aise sur les barres, les grosses barres, les 140, les 120 kilos. Donc ça m'a stoppé net dans ma progression. Là, je suis en train de galérer, franchement, je suis en train de galérer lorsque je fais ma séance pectoraux. Parce que faut savoir que je ne vous filme pas toutes mes séances pectoraux. J'en fais deux par semaine. Je passe à deux par semaine pour pouvoir valider cet objectif. Je vous en filme une toutes les deux semaines. Donc une séance sur quatre. J'ai du mal à rattraper mon manque de sérieux de ces derniers jours. Bon, ça va revenir, hein, mais il ne me reste plus qu'une vidéo. Donc dans deux semaines, vous aurez la dernière vidéo de Fitness Révolution. Je serai content d'avoir fini avec ce défi parce que franchement... nerveusement c'est très fatigant le fait de pousser lourd comme ça, j'aime pas parce que derrière pour assurer ses journées c'est pas facile, je suis épuisé mentalement. Bon là ça va, j'ai bien récupéré vu que je me suis arrêté 10 jours, ça m'a fait du bien. Et du coup on se retrouve dans deux semaines où là je validerai les 140 et je ferai les 10 x 120, je l'espère en tout cas, mais je serai beaucoup plus en forme. Là aujourd'hui je vais aller faire les pecs. Je pense que je vais commencer à retrouver tout doucement mes perfs. Vous voyez, la musculation, c'est un sport ingrat. Il suffit de s'arrêter quelques jours pour descendre en perf, en motivation, en tout. Hein. Mais faut pas s'arrêter là, faut continuer de travailler. Et ça vous montre aussi le sérieux qu'il faut avoir dans ce sport pour pouvoir y arriver. Jamais s'arrêter. Là, c'était que 10 jours, ça va, c'est pas mauvais. Hein. Mais vu que j'étais en pleine phase de progression, c'était pas des charges acquises. C'est dur de revenir. Mais je vais y arriver. On se retrouve la semaine prochaine. Et cette fois-ci, je vais tout casser. Ciao.